Je vous présente François, professeur agrégé de lettres à Henri IV, l'un des meilleurs lycées de France. Pénélope, 5. On s'ennuie beaucoup à vous lire, vous savez. À Paris, on limite encore les dégâts, mais en banlieue. On est parachute des jeunes profs totalement inexpérimentés, alors qu'au contraire, il faudrait nommer des professeurs expérimentés. Agathe Kaufmann m'a parlé de votre envie de vous faire muter dans un collège de banlieue. Petit conseil avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite. Je m'appelle François Foucault. Mais je m'appelle Foucault. Ça suffit. Pourquoi ils font toujours ce... Le chip. Allez vous asseoir à votre place. Où est votre carnet? Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Je suis pas votre chien. Tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Dès qu'on t'a vu arriver ici, là, dans le collège, on a vu tout de suite que t'allais droit dans le mur. Et maintenant, t'es là, t'arrives, tu nous fais des leçons de morale. C'est d'où est-ce qu'on va passer une heure de colle? J'ai fait quoi? 2 heures de colle. Mais j'ai rien fait. 4 heures. Bon, toi, ça se passe bien? Ah, moi, c'est parfait, c'est de pire en pire. 100 days. Ce collège, là, ces gamins, j'en peux plus. Hein. C'est impossible de leur faire cours, j'y arrive pas. Ils accumulent les mauvaises notes, les humiliations, donc ils se croient idiots. Toi, tu te rends pas compte. Ne juste pas aller pisser. Sur la tête de maman, je vais te pisser. On va faire un petit exercice de grammaire. Il fait chier avec sa grand-mère. Ce qui nous donne, j'ai envie de pisser ou sur la tête de ma mère. Vous faites le travail qu'on vous demande. Tout ira bien, vous verrez. Je m'excuse, monsieur. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Non, c'est moi, je m'excuse. Alors, les grands esprits, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est Alexis Hoffmann chez Bach. Ouais. Au début, le titre s'appelait H493. C'était un jeu de mots que j'aimais bien. C'est-à-dire H493. Pourquoi H4? Parce que H4 c'est Henri IV et 93, on comprend 93 à 93. Bien sûr. Et puis on s'est dit que H4 c'était un petit peu, comment dire, un peu plus réducteur. Quoi. Tout le monde ne connaît pas la dénomination de H4. Voilà, et puis bon. Donc gros, on a cherché des titres. Moi j'avais cherché beaucoup de titres, mais en fait je ne trouvais pas ce qui me plaisait. Et un jour, Alexis Hoffmann, donc de Bach, m'a dit: Ah, les grands esprits, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit: Ah, bah ouais, c'est très bien. Donner le goût d'apprendre, c'est ce que le film raconte à travers une comédie, effectivement. Quand on regarde, voilà, on bouge, j'ai besoin vraiment... ça recrée plus la vie, en fait. J'ai même fait énormément de versions de scénario, parce qu'au début, je pense que j'étais quand même un peu dans les clichés de ce qu'on voit. Voilà, j'étais répétitif, je ne m'en rendais pas forcément compte. Et puis en travaillant et en observant, voilà, j'ai commencé à gommer des choses, à changer. Il y a 3 années de travail sur le scénario, 2 ans et demi, 3 ans de travail. Les deux, forcément, divertir et débattre. Ouais, voilà. C'est-à-dire vraiment, on m'a dit, c'est une comédie d'auteur. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, ça, c'est ce qui me plaît. C'est le terme qui est comédie d'auteur ou film, fiction documentée. Mais en tout cas, voilà, ça parle d'un problème, d'une question. Et puis, voilà, j'avais pas de... Je suis pas, en tout cas... Comment dire, je ne suis pas arrivé avec un point de vue avant. Je suis arrivé vraiment vierge en me disant, bon, voilà, voyons ce qui se passe. S'il y a la guerre civile, je raconterai la guerre civile. Si c'est au contraire plus apaisé, je raconterai que c'est plus apaisé. Si, donc j'avais vraiment envie d'arriver vierge. Voilà. En fait, je pense que le plus important, c'est d'éveiller la curiosité, encore une fois, et donner le goût d'apprendre. Quand vous réussissez à donner le goût des maths à des élèves qui n'ont rien à faire, là, vous avez réussi complètement, parce qu'après, ils peuvent eux-mêmes chercher des choses sur Internet, faire leur propre truc. Et après, c'est pas la peine de leur bourrer le crâne, mais c'est plutôt leur ouvrir l'esprit, quoi. Un truc qui est vraiment important pour moi, c'est que les professionnels de l'éducation ou
en l'occurrence la délégation, s'y retrouve, c'est-à-dire se sent pas trahi du tout. C'est l'impression. Et là, c'est ce que c'est tous les retours, c'est ça, quoi. C'est à chaque fois, on me dit c'est exactement ça, que ce soit les élèves, les profs, les personnes d'encadrement, enfin les principaux ou les proviseurs, c'est ils disent bon, voilà, c'est la réalité. Mais ça, c'est important. C'est-à-dire que sinon, ce serait grave, quoi. Ah oui, c'est indispensable. Enfin, c'est, pour ce sujet-là, c'est indispensable parce que je pense que si je peux le diffuser et dans les lycées et avec des profs et ouvrir le débat entre les élèves et les profs, etc., c'est, y a un côté apaisant aussi, quoi, forcément. C'est, parce que je pense que les élèves doivent comprendre la difficulté des profs, vraiment, et, les profs, et inversement. Poursuivre dans le cinéma. Ouais, parce que c'était vraiment, pour moi, c'était ce que j'avais envie de faire depuis, depuis tout jeune, quoi. Donc tout ce que j'ai fait, ça avait une logique pour que ça soit la photo, la pub ou la bande dessinée, c'était pour apprendre un scénario, la photo, c'était pour apprendre à cadrer, les docus, c'est pour voyager, comprendre, visiter les choses. Donc du coup, c'était la logique. Donc au moins, on va en faire un deuxième, puis on verra. Après, un troisième, c'est possible. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to